whether you like it or not. People's freedom is on its way. On its way. Watch out, freedom is coming. With thunders from the weapon. Sounds of freedom explosion. C'est par les armes, en effet, et par le terrorisme que les guerriers au noir de Rhodésie sont parvenus à se faire entendre de la minorité blanche après 7 ans de guerre, plus de 20 000 morts et près d'un million de réfugiés. Ce jour de février, à la veille des élections, ils sont 22 000 à avoir accepté, sans être désarmés, de se réunir au cœur de la brousse sous le couvert d'un fragile cessez-le-feu. Des élections pour résoudre la question rhodésienne, telle est la solution qui a fini par arranger tout le monde, les rhodésiens blancs qui en avaient assez de la guerre, les mouvements de libération qui ne pouvaient plus espérer une victoire militaire définitive, les pays qui les soutenaient parce que cela leur coûtait trop cher, et enfin l'Angleterre, à qui la Rhodésie posait un problème depuis 15 ans. C'est à Londres, en décembre dernier, que toutes les parties intéressées au conflit sont parvenues à un accord sous la présidence du chef du Foreign Office, Lord Carrington. Voici Robert Mugabe, le chef de la ZANU-PF, et voici Josuan Komo, le chef de la ZAPU-PF, les deux mouvements de libération de la Rhodésie qu'ils appellent, eux, le Zimbabwe, et qu'aujourd'hui ils dirigent effectivement et qui deviendra indépendant en avril. Le document que nous venons de signer a la plus grande signification pour les populations de Rhodésie et des pays voisins. En ouvrant cette conférence, j'avais exprimé l'espoir que nous puissions trouver les fondations pour une société indépendante, libre et démocratique, où tous les Rhodésiens, quelle que soit leur race et leurs convictions politiques, pourraient vivre en sécurité et en paix entre eux et avec leurs voisins. Cet espoir est maintenant réalisé. That hope has now been realized. The people of Rhodesia will now be able to settle their future by peaceful means. Voilà, Lord Carrington a réussi son tour de force, l'accord est signé, nous sommes le 21 décembre, et la conférence de Lancaster House aura duré moins de 4 mois. Désormais, tout va aller très vite, puisque une semaine plus tard, le 28, le cessez-le-feu sera appliqué en Rhodésie et que des élections sont prévues pour la fin février. Image symbolique, les trois principaux rivaux de ces élections se serrent la main. Et puis, premier événement extraordinaire qui résulte des accords de Lancaster House, le 13 janvier, c'est un dimanche, Josuan Komo rentre en Rhodésie après 3 ans d'exil en Zambie. Deuxième événement marquant, c'est au tour de Robert Mugabe, après 5 ans d'exil au Mozambique, de revenir au pays natal où 200 000 personnes l'accueillent en triomphe, malgré les bagarres qui se produisent dans la foule. Salisbury, 24 février. Divers attentats ont été perpétrés ces dernières semaines et toutes les forces rhodésiennes sont en état d'alerte maximum. Des patrouilles blindées sillonnent la capitale jour et nuit pour prévenir les provocations et les tentatives d'intimidation. Neuf partis sont en liste pour se partager 80 sièges au Parlement, mais 3 seulement ont un poids réel. L'UANC de l'évêque Muzorewa, dont on voit ici des partisans, la ZANU-PF de Robert Mugabe et la ZAPU-PF de Josuan Komo. La ZANU-PF de Mugabe est le parti que les observateurs donnent comme favori.
Pourtant, personne n'ose encore prédire avec certitude quelle sera l'ampleur de sa victoire. La ZANU-PF et son chef, qui passe pour un redoutable marxiste-léniniste, font peur à la population blanche de Rhodésie, farouchement anticommuniste. Tous les jours, les militants se pressent au siège de la ZANU-PF pour participer à la campagne électorale. L'immeuble est bondé lorsqu'un commerçant voisin reçoit un appel téléphonique anonyme. Évacuez les lieux, une bombe a été posée au siège de la ZANU. La police est alertée et aussitôt, elle fait évacuer les lieux. Pourtant, la bombe, personne n'y croit vraiment. Déjà, la veille, il y a eu une fausse alerte. Chacun pense plutôt qu'il s'agit de manœuvres pour empêcher la ZANU de mener sa campagne. Mais la police insiste et toute la rue est finalement évacuée. La bombe n'explosera pas, mais 2 heures précieuses d'activité militante, en attendant, auront été perdues. Même genre d'activité au siège de la ZAPU-PF de Josué Nkomo. ZAPU et ZANU sont alliés dans le PF, le front patriotique qui a dirigé la guerre de guérilla, mais leurs leaders restent des rivaux. Si pour les Blancs, la ZANU c'est la peste, la ZAPU c'est le choléra. Mais l'ancien Premier ministre Ian Smith lui-même a prôné publiquement une alliance avec Josué Nkomo pour barrer la route à Robert Mugabe. Pourtant, Nkomo a le soutien des Soviétiques, tandis que Mugabe serait plus proche des Chinois. Mais en Afrique, une fois de plus, les étiquettes politiques perdent de leur sens. Ambiance très différente au siège de l'UANC, le parti de l'évêque Muzorewa, que par une étonnante ignorance de la réalité africaine, la population blanche souhaitera jusqu'à la dernière minute voir gagner ces élections. Ici, on tente d'acheter des voix en distribuant généreusement la farine ou même de coquettes sommes d'argent. L'Afrique du Sud, paraît-il, aurait investi une fortune dans la campagne électorale de Monseigneur. Pourtant, Abel Muzorewa n'est pas rassurant que pour la population blanche. Il a ses adeptes aussi parmi les Noirs et plus particulièrement auprès des femmes. Elles voteront pour l'évêque par conservatisme, certes, mais surtout pour ne plus voir leurs enfants partir à la guerre. La femme africaine demeure la gardienne des traditions et se veut avant tout mère de famille. Les barrages routiers sont fréquents. Avant le cessez-le-feu, on ne se déplaçait d'une ville à l'autre sur les grands axes que par convoi encadré par des véhicules militaires. Quant aux pistes, elles n'étaient praticables qu'à grand risque et avec des véhicules solidement blindés pour prévenir le danger des mines et des embuscades. Mais la sécurité demeure l'une des priorités en cette période électorale. Sécurité aussi à l'entrée de la résidence de Robert Mugabe, où se bousculent les journalistes venus assister à une dernière conférence de presse. Right, fine. Time is up. The president will address you briefly, and then you will be able to ask questions.
And in asking questions, you give your name and the organization which you represent. Comment, President. Well, ladies and gentlemen, déjà victime de deux tentatives d'assassinat, le leader de la ZANU-PF a renoncé par prudence à une dernière apparition en public et a préféré se faire entendre par le truchement des journalistes. Or, des journalistes en ce moment à Salisbury, il y en a près de 800 venus du monde entier. It was a good meeting, and that was the main reason I was late. Now, I thought I should address you on the eve of poll to give you some of our thinking. Je pense que je vais vous faire part de quelques-unes de nos idées afin que vous n'ayez plus aucun doute sur ce que nous avons l'intention de faire après la victoire, car nous allons gagner ces élections, c'est sûr. After the victory, we are going to win the elections, there's no doubt about it. Un dernier grand meeting électoral a été organisé pour l'évêque Muzorewa. T-shirt, casquette, badge, slogan et signe de la victoire dans une foule de 150 000 personnes amenées sur les lieux dans des autocars spéciaux. I vote for Bishop Abraham Muzorewa. He's the only leader who can... Je voterai pour l'évêque Muzorewa. C'est le seul leader qui peut gagner ces élections et qui peut diriger un gouvernement du Zimbabwe. Et que pensez-vous des autres leaders? Ce sont des assassins. Nous ne les aimons pas. Nous les haïssons. Ils ont tué nos gens. Nous sommes pour l'évêque, parce que c'est un homme de paix, un homme de Dieu. Un vrai leader, un homme de paix. A man of God. Pensez-vous qu'il va gagner? He's gonna win. Oui, c'est sûr. Cette foule pourtant ne doit pas faire illusion car quelque chose en elle ne tourne pas rond. L'évêque n'a pas lésiné sur les moyens matériels engagés dans sa campagne. Toutefois, il semble ignorer qu'il ne suffit pas de descendre en hélicoptère sur une foule pour s'en assurer les faveurs. Et cette foule, supposée pourtant être venue acclamer le vainqueur comme il s'est lui-même appelé, nous paraît étrangement calme. Explication possible, il est probable que l'évêque ait été mal conseillé par des gens plus familiers des campagnes électorales à l'américaine qu'à l'africaine, et que les Africains, eux, ne s'y laissent pas tromper. Monseigneur Abel Muzorewa, le voici. Nommé Premier ministre en avril dernier, après des élections auxquelles ne participèrent ni la ZANU ni la ZAPU, il n'a pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit, ni de tenir aucune de ses promesses. C'est un handicap qui alourdit la conviction répandue dans de larges couches de la population africaine que Muzorewa n'est qu'une marionnette entre les mains des Blancs. Un t-shirt suffit-il à exprimer une conviction politique? Et qui peut dire en ce moment ce qui se passe dans la tête de cet électeur qui fera son choix demain dans le secret de l'isoloir? Mercredi 27 février, les élections commencent à 7h du matin. Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'à 7 heures du soir, il y aura des files d'attente comme celle-ci devant chaque lieu de vote. C'est la première fois en Rhodésie que tous les citoyens, sans exception, ont le droit de voter s'ils ont 18 ans révolus. Avant, ce droit a été refusé à la majorité des Noirs sous prétexte que, pauvres ou incultes, ils ne possédaient pas les qualifications nécessaires pour exprimer leur choix politique.
Ces cris du coq expriment des intentions de vote. Le coq, en effet, c'est le symbole de la ZANU-PF de Robert Mugabe. Sur les lieux de vote, l'ordre est maintenu par les réservistes de la police. Des commissaires sont également présents pour s'assurer de la régularité des opérations, ainsi que des policiers venus spécialement de Londres. Dans les quartiers résidentiels, les Blancs amènent leur personnel de maison en voiture. Is there a big crowd in there or do you think they'll come out quickly? I haven't got time to waste. On peut aisément imaginer les conseils que ces Blancs ont dû donner à leur personnel sur la façon dont il fallait voter. Ce qui est plus difficile à imaginer, ce sont les sentiments qu'éprouvent ces Blancs en sachant pertinemment que même les Africains qui leur sont le plus proches risquent de voter contre eux. Il n'y a jamais eu en Rhodésie un apartheid comme il se pratique en Afrique du Sud. La discrimination raciale y était plus subtile, mais les barrières psychologiques ont toujours fait que noirs et blancs étaient deux mondes séparés et que leurs rapports ne leur ont jamais permis de se connaître mutuellement. En réalité, les noirs étaient bien jusqu'à ce jour des Rhodésiens de seconde classe, et c'est aussi pour mettre fin à cela qu'aujourd'hui ils vont voter. Parfois, deux groupes adverses se rapprochent dangereusement, mais l'hostilité ne dépassera pas le stade des gestes ni des cris, et dans l'ensemble, les élections se dérouleront sans incident majeur. On vote aussi, bien sûr, dans les campagnes où des bureaux de vote mobiles ont été installés. Les nombreux observateurs internationaux venus surveiller le déroulement de ces élections s'accorderont pour dire qu'elles ont été régulières et raisonnablement libres. Près de 2 700 000 personnes voteront durant ces trois jours et ce taux de participation, 93,6%, indique clairement que la volonté populaire, cette fois, a réellement pu s'exprimer. Au second jour du scrutin, les files d'attente ne sont pas moins longues. Voici l'appareil à rayon ultraviolet. Et voici le liquide fluorescent que même un brossage soigné ne peut parvenir à faire disparaître avant plusieurs jours.
À l'aube du troisième jour, c'est au tour des guerrieros de faire leur choix sur les lieux où ils ont été rassemblés. Le matériel de vote est amené par camion au petit matin. 6000 guerrieros doivent ici avoir voté avant la tombée de la nuit. Un moment, on a pu craindre que cela ne serait pas possible. Pourtant, l'horaire sera tenu. Dans ce pays plus grand que la France et toujours maintenu sous la pression des armes, il faut reconnaître que l'organisation pratique de ce scrutin aura été remarquable. Remarquable aussi la discipline des guerrieros qui contraste avec l'image souvent répandue chez les Blancs de terroristes sanguinaires et drogués. Si pour les guerrieros, le pouvoir est au bout du fusil, voici pourtant venu le moment où ils déposent ce fusil pour aller chercher ailleurs le pouvoir dans le jeu démocratique. Ce n'est pas souvent que des guerrieros sont appelés à voter. C'est même la première fois, sans doute, que dans l'histoire de la décolonisation, les choses se passent de cette façon, à chaud et si rapidement. En Afrique, cela pourrait bien avoir valeur de présage. On votera toute la journée sous un soleil de plomb et le soir les jeux seront faits sans pour autant que l'on puisse savoir avec certitude si les armes, cette fois, se sont définitivement tues. Dimanche 2 mars, des organisations chrétiennes organisent une rencontre de prière. Le pays est entré dans l'attente des résultats. Une attente lourde d'incertitude, d'angoisse pour les uns et d'espoir pour les autres. Les militaires aussi attendent. Ils ont reçu l'ordre très strict d'ouvrir le feu au moindre trouble, car tout peut encore se produire selon le résultat des élections. Dans la capitale, les patrouilles blindées ont été multipliées. L'autorité britannique provisoirement en place tient à démontrer sa force pour prévenir toute velléité insurrectionnelle.
Counting of the votes in the 80 Commonwealth seats ended shortly before midnight last night. 9 parties contested the 80 seats, and for the results we go across to the Registrar General, Mr. Eric Pope Simmons. I have received the results of the counting from each of the 8 electoral district returning officers, and these disclose that 2,649,529 valid votes were cast. Of these, the NDU received 15. Pour vivre ce moment important, Monsieur et Madame Taylor ont prié leurs domestiques de les rejoindre au salon pour regarder la télévision avec eux. The NFZ received 18,794 votes, being 0.709%. The Patriotic Front received 638,879 votes, and they obtained 20 seats. The UANC received 219,307 votes, and they gained 3 seats. ZANU-PF polled 1,668,992 votes, being 62.992% of valid votes cast, and they gained 57 seats. More than happy. More than happy. Yes. Yeah, we're very happy. What are you expecting now? I don't want anything. The mere fact of being a free man is enough for me. I've lived to see this, and I'm glad God has spared me. I'll sing with Simeon of the Bible. Are you surprised? Êtes-vous surpris par ces résultats? Yes, actually, I am surprised. Oui, je suis surpris par cette victoire du Front Patriotique. Vraiment surpris. Of, the Patriotic Front. I am very surprised. ZANU. ZANU of Mugabe. Yeah. Are you frightened? Avez-vous peur? Frightened? Peur? No. Non. No, je n'ai pas not peur. Frightened. Pendant ce temps, à Salisbury, sous le regard de la police blanche, la joie populaire éclate dans tous les townships, ces quartiers noirs qui ceinturent la capitale blanche. Dans ces débordements de liesse, un détail frappe. À aucun moment, il n'y aura un quelconque geste ou une quelconque parole d'hostilité envers les Blancs. Robert Mugabe, lui, a le triomphe modeste. À midi, ce matin des résultats, il retrouve chez lui tous les journalistes à qui, une semaine auparavant, il avait déclaré « Nous gagnerons ces élections ».
Et maintenant que c'est chose faite, il leur tient un langage des plus modérés, comme si son premier souci était d'abord, à travers les médias, de rassurer la population blanche. Non, il n'y aura pas d'expropriation massive ni de nationalisation systématique. Que les Blancs restent dans le pays car nous avons besoin d'eux, tel est, en gros, tout le sens des premiers messages que Robert Mugabe, premier ministre désigné, adresse au Zimbabwe. Quant à Mme Mugabe, sur les pelouses de la résidence, elle joue parfaitement son rôle de maîtresse de maison comme n'importe quelle lady de la Rhodésie blanche. Toujours ce même matin, il y a des invités aussi sur la pelouse de M. et Mme Taylor. Mme Butler, ça fait combien de temps que vous vivez en Rhodésie? Il y aura 41 ans au mois de mai. Et est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour, les Noirs soient appelés à voter et qu'il y ait un changement de gouvernement? Oh oui, certainement. Spécialement depuis le Mozambique et même avant. Depuis que le Mozambique... Oh, oui, depuis que le nord de l'Afrique, tout ça, c'est descendu toutes les années. Vous pensez que c'était que votre tour allait venir? Oh oui, certainement. Et maintenant que vous connaissez les résultats, 57 sièges pour le mouvement le plus à gauche, le plus extrémiste, quel est votre sentiment? Mais on est craintif, un peu craintif, on ne sait pas. On est un peu craintif, on ne sait pas. Et vous craignez quoi? Écoutez, les pays autour de nous qui ont les gouvernements de gauche, les Blancs ne sont pas très heureux là-bas. Oui, si vous venez en contrat, ça, oui, peut-être. Mais pour y vivre, y terminer votre vie, je ne sais pas. Vous pensez qu'un jour vous devrez peut-être quitter? Oui, je le pense. Who knows? I don't think anyone knows. It certainly Qui le sait? Je pense que personne ne le sait. Ce ne sera certainement pas la fin pour nous dans ce pays avant longtemps, à moins que nous ne soyons obligés de partir. Mais il est difficile de répondre à cette question. Mais de toute façon, vous n'attendiez pas à ces résultats. Non. Je pense que nous allons avoir des temps difficiles, mais je pense aussi que cela pourra marcher très bien, du moins je l'espère. Pourquoi des temps difficiles? Il y aura sûrement des difficultés, nous avons tant de factions différentes dans ce pays. Et il y aura sûrement des difficultés dans un tel pays. À l'inquiétude des Blancs répond le désir des nouveaux leaders noirs de rassurer. Ici, Josué Nkomo s'adresse à ses troupes dans une rencontre où se retrouvent face à face les ennemis d'hier. Et déjà, on parle d'intégration des guérilleros dans l'armée régulière. We feel that every one of you will take your part in the rebuilding. Chacun d'entre vous aura sa part dans la reconstruction du Zimbabwe. Et lorsque je dis chacun d'entre vous, je veux dire tout le monde, y compris ceux contre lesquels vous vous êtes battus. Nous ne pouvons pas reconstruire le Zimbabwe si nous ne nous réunissons pas tous maintenant dans une seule nation, sans distinction de couleur ou de grade. Si vraiment nous devons quitter ce pays, ce sera par la force. Nous partirons s'il le faut, mais nous n'en avons pas l'intention. Et vous, M. Butler, qu'en pensez-vous? Je considère que Mme Taylor est très optimiste.
Nous n'attendions pas ce résultat qui a été annoncé ce matin. Cela montre que l'indigène n'a pas tellement envie de nous voir rester ici. Je pense que nous sommes toujours utiles à ce pays et que si les Blancs s'en vont, la nourriture manquera et il y aura des troubles, tout comme il y en a eu au nord du Zambèze, en Zambie, en Tanzanie, etc. Mais nous espérons qu'on nous laissera continuer à faire notre métier, à produire des biens d'exportation et de la nourriture pour le pays, et payer des impôts pour l'éducation des Africains. Enfin, on n'en sait rien. L'annonce de la victoire a attiré la foule devant le siège de la ZANU-PF. Ici aussi, c'est la joie, et pendant quelques heures, les Noirs seront les maîtres de la rue Blanche. Beaucoup de gens ont voté, et je pense que c'est de façon très positive, pour mettre fin à la guerre dans ce pays-ci. Et ça n'est pas, comme certains pourraient le croire, uniquement parce qu'ils se sont dit « bon, on n'est pas d'accord avec ces partis-là, mais puisqu'on veut la paix, il faut absolument qu'on les élise ». C'est vraiment qu'il y a une volonté extrêmement profonde de la population, un, de mettre fin à la guerre et de reconstruire leur pays sur des bases neuves. Dans ce sens-là, une autre caractéristique fondamentale de ce vote-là, c'est que les gens ont voté pour des partis qui représentaient, selon eux, une possibilité réelle de changement. Un très, très grand nombre de gens nous ont dit « L'évêque Muzorewa, on n'y croit plus ». C'était peut-être tout à fait injuste dans la mesure où il n'y a pas eu beaucoup de temps pour prouver ce qu'il pouvait faire, mais de toute manière, on l'avait élu en avril sur la base des promesses qu'il avait faites. Il n'avait pas pu les tenir. C'était clair que les gens disaient « On va essayer des gens qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas fait défaut jusqu'à présent ». Donc, il y avait une volonté très nette de changement. Et les deux seuls partis qui représentaient une possibilité significative de changement étaient ces deux partis-là. Il y a une troisième chose qui jouait sûrement pour beaucoup de gens. En tout cas, on nous a dit ça dans les Tribal Trust Land, par exemple, ou dans les régions rurales. Les gens identifiaient M. Nkomo, M. Mugabe, comme les espèces de figures symboliques de la libération. Toute la journée, ce mardi 4 mars, cris, chants et danses de joie donneront un visage nouveau à Salisbury, capitale d'un pays qui s'appelait Rhodésie et qui est devenu ce jour le Zimbabwe. Leurs voisins. Cet espoir est maintenant réalisé. Voilà, Lord Carrington a réussi son tour de force, l'accord est signé, nous sommes le 21 décembre, et la conférence de Lancaster House aura duré moins de 4 mois. Désormais, tout va aller très vite, puisque une semaine plus tard, le 28, le cessez-le-feu sera appliqué en Rhodésie et que des élections sont prévues pour la fin février. Image symbolique, les trois principaux rivaux de ces élections se serrent la main. Et puis, première heure de la brousse, sous le couvert d'un fragile cessez-le-feu. Sounds of freedom and flushing.
Des élections pour résoudre la question rhodésienne, telle est la solution qui a fini par arranger tout le monde, les Rhodésiens blancs qui en avaient assez de la guerre, les mouvements de libération qui ne pouvaient plus espérer une victoire militaire définitive, les pays qui les soutenaient parce que cela leur coûtait trop cher, et enfin l'Angleterre, à qui la Rhodésie posait un problème depuis 15 ans. C'est à Londres, en décembre dernier, que toutes les parties intéressées au conflit sont parvenues à un accord sous la présidence du chef du Foreign Office, Lord Carrington. Voici Robert Mugabe, le chef de la ZANU-PF, et voici Josua Nkomo, le chef de la ZAPU-PF, les deux mouvements de libération de la Rhodésie qu'ils appellent, eux, le Zimbabwe, et qu'aujourd'hui ils dirigent effectivement et qui deviendra indépendant en avril. Le document que nous venons de signer a la plus grande signification pour les populations de Rhodésie et des pays voisins. En ouvrant cette conférence, j'avais exprimé l'espoir que nous puissions trouver les fondations pour une société indépendante, libre et démocratique, où tous les Rhodésiens, quelle que soit leur race et leurs convictions politiques, pourraient vivre en sécurité et en paix entre eux et avec eux. Watch out, freedom is coming. With thunders from the weapon, sounds of freedom explosion. Plant your... C'est par les armes, en effet, et par le terrorisme que les guerriers noirs de Rhodésie sont parvenus à se faire entendre de la minorité blanche après 7 ans de guerre, plus de 20 000 morts et près d'un million de réfugiés. Ce jour de février, à la veille des élections, ils sont 22 000 à avoir accepté, sans être désarmés, de se réunir au